maximum. Ouais. Là, je suis au Bijou Bonumbo. Bijou Bonumbo, c'est un restaurant. C'est un restaurant à Mpissa, sur la corniche. On voit Kinshasa juste en face. C'est super beau, c'est cool. L'ambiance est cool, le cadre est beau. Donc voilà, on va essayer de manger un petit poisson. Un petit poisson avec des bananes. Ah, une grosse journée, très très grosse journée aujourd'hui. C'était une sacrée journée. Non, je reviens, je suis juste là. Voilà, l'ambiance congolaise. Là, on voit bien Kinshasa, là. Je sais pas c'est quel tour celle-là. Chaque fois je me pose la question. Voilà, là, on est sur la corniche. On voit le pont là-bas. Brazzaville by night. Donc le voici, le Bijou Bolingo. C'est un beau restaurant sur deux étages. Vous voyez, il y a la partie en bas, la terrasse au premier, et une deuxième terrasse au deuxième. Donc voilà, c'est une zone où il y a pas mal de restaurants ici. Pour manger, c'est cool. Hein. Et la vue juste en face avec Kinshasa. On voit très très bien Kinshasa, c'est incroyable. Je ne sais pas c'est quel tour celle-ci. Si vous savez c'est quel tour, faites signe. Très très belle vue. Très très belle vue sur Kinshasa. Donc voilà, là on est sur la corniche. Donc voilà quoi, c'est le coin fête. Là tout au long, si vous continuez sur la corniche, après il y a encore des bars pas loin du pont là-bas. Il y a encore pas mal de bars. Mais la question c'est, est-ce qu'on n'aime pas trop la fête, hein? Est-ce qu'on n'aime pas trop la fête un peu les Congolais? Je parlais de ça avec le taximan. Donc, comme je disais, je parlais de ça avec le taximan parce que, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, le problème de la bière, un jour, il faudra en parler. Parce que à chaque fois que je parle, même ici avec les ouvriers, les entrepreneurs, enfin, quand je dis que je parle avec eux, quand je traite avec eux, j'ai l'impression que la première chose que le Congolais fait avec son salaire, même le taximan, hein, il va, admettons le taximan, s'il a une recette qui lui permet d'avoir un bénéfice pour lui à la fin de la journée d'au moins 5000 francs, il va prendre 2000, 3000 francs pour la maison. Puis après, il y aura au moins facile 1000, 1500 francs pour la bière. Parce qu'en fait, ici, la bière, c'est comme si c'était... Ah, je sais pas. C'est normal, quoi. Ça s'est démocratisé. Et c'est compliqué parce que je sais pas si on va pouvoir construire des choses sur le long terme et avancer. Parce que la consommation de bière est quand même parfois excessive. Hein. Parfois excessive. Donc, c'est vraiment ça qui est dommage. Alors, je parlais de ça avec le taximan. Il me disait que des fois il y a des promotions, donc les gens ils prennent des casiers, 4000, 5000, bref. D'ailleurs je parlais avec le taxi, il m'a dit un truc, il m'a dit les gens quand ils ont l'argent, ils dépensent ça directement dans l'alcool tous les jours. Et au final ils n'avancent pas, c'est comme si c'était un rond-point. Kuzungu, zungu. C'est comme si c'était un rond-point, il me dit quoi? C'est comme si c'était un rond-point. Kuzungu, zungu. Bon, et j'étais KO. Non, les taximans ici, là qu'on parle avec les taximans, là c'est des bars, je suis mort. C'est important de parler avec les taximans. Hein. Toujours, il y a des petites histoires, des petites anecdotes. C'est important. Hein. Vous voyez là comment on voit bien Kinshasa. C'est incroyable. Kinshasa. Elle est vraiment belle. Hein. Vraiment, vraiment jolie. Bon, on va remonter. On va aller voir ce que ça donne. Je demandais un poisson au sol avec des bananes frites. Voilà, on va voir ce que ça va donner.
Donc voilà quoi, faut essayer de conscientiser les Congolais, leur dire que au lieu de prendre 3 bières, s'ils peuvent en prendre qu'une seule, ils vont déjà économiser pas mal d'argent. Si au lieu de prendre 3 bières, ils en prennent qu'une seule, qu'ils arrivent à économiser 1000 francs sur les 1500 qu'ils ont l'habitude de dépenser tous les jours. Parce que comme je vous le dis, en moyenne, j'ai analysé ça tous les jours avec les ouvriers, les personnes avec qui j'avance sur les travaux. En moyenne, c'est 3 à 5 bières par jour. 3, c'est le minimum. Vous voyez, parce que des fois, je passe la journée avec des entrepreneurs, les électriciens, les plombiers, les maçons. On fait beaucoup d'allers-retours. Et on peut s'arrêter 3-4 fois quand je suis là. Et quand même quand je ne suis pas là, ils consomment. Donc je suppose que ça, c'est plutôt entre 3 et 5 que seulement 5. Donc bon, si on peut passer de 3 bières à 1 bière, ce sera pas mal. Les gens pourront économiser 1000 francs. 1000 francs économisés chaque jour. Sur un mois, c'est au moins 25 000. Sur une année, c'est 300 000. On peut en faire des choses avec 300 000 francs. Donc, bon. Voilà, quoi, c'est important, il faut le dire aussi. Poisson sol, salade de chou, banane triple.